Depuis 5 ans, le ministère de l'Intérieur a constaté une hausse des actes de maltraitance sur les animaux. Donc dans ce cadre-là, la loi de 2021 sur la lutte contre la maltraitance animale a préconisé plusieurs mesures, dont celle d'une formation de l'ensemble des policiers. Le but est que les policiers soient en capacité de détecter et d'avoir les moyens de judiciariser les actes de maltraitance. L'ensemble des élèves gardiens de la paix va être formé à la détection et à la judiciarisation de la maltraitance dès la formation initiale. Et dans un second temps, la formation va être aussi déployé en formation continue et on aura dans ce cadre-là un référent dans chaque commissariat. Une très grande majorité de personnes sont sensibles à la cause animale. On ne peut pas ne pas répondre à cette maltraitance en répondant aux signalements et ensuite en faisant les procédures qui s'imposent. On a enregistré en 2021 15 000 signalements et 22 000 en 2022. Nous avons changé notre site et donc il est maintenant infiniment plus facile de faire des signalements. Et je pense que cette facilité a décidé des gens à nous signaler des faits qu'ils n'auraient pas fait s'il fallait écrire, s'il fallait nous envoyer un courrier par exemple. Le message à faire passer sur la maltraitance aux fonctionnaires de police, c'est de leur dire qu'ils sont la seule force active. C'est-à-dire que les associations, comme la SPA, sont en mesure d'envoyer des enquêteurs sur le terrain qui vont matérialiser l'infraction et qui ensuite vont venir déposer plainte. Mais il n'y a que les forces de l'ordre qui soient en mesure ensuite d'engager des moyens judiciaires. Et s'il n'y a pas de sanctions, s'il n'y a pas de jugement, eh bien on peut tout développer en matière de protection animale, ça ne servira à rien.